que toi tu nous parles. Nous t'avons chanté, c'est bien, mais on a besoin de la parole. Alors viens et parle à nos cœurs, dispose nos voix, prends le contrôle de l'interprète, afin que le Seigneur, oh Dieu, il soit sous ton inspiration, et ton serviteur sous ton inspiration, pour que ne soit qu'une seule bouche par laquelle tu parleras, Seigneur. Béni sois-tu, et que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. En tant que moi, cela, je pense à débattre pour tous. Amen. Qui nous a donné les mains? Maman Moussamio, qui nous a donné les mains? Maman Moussamio, qui nous a donné la voix? Maman Moussamio, Amen. Amen. C'est celui qui nous a donné cet enseignement-là. C'est à lui qu'on doit prendre pour lui. Donner tous les honneurs. Amen. Amen. C'est ça, non? Nélio, Dieu mérite les acclamations. Dieu mérite beaucoup de joie. Alléluia! Alléluia! Mérite sa mère! Amen! Quand lui il s'est présenté à l'église, il a dit, ainsi dit l'Amen! Et moi, Amen! L'Amen! Ça dit, quand le point final! L'Amen, c'est le point final! C'est le point de référence final! Amen! Ainsi dit l'Amen! Alléluia. Il est l'Amen. Quand on dit Amen, alors ça le touche. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont là visibles et ceux qui sont là invisibles. Amen. 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 Nous vous disons shalom. Shalom. Shalom, ça veut dire la paix. Shalom, ça veut dire la joie. Ça veut dire la bonne santé. Ça veut dire tout ce qui est bon. Shalom est plus complet que bonjour. Shalom, tu battras. Bonjour est limité. Mais shalom, ta santé, ta délivrance, ta paix, tout est dedans. Shalom. Alors, je vous dis shalom. Il contient ça que shalom. C'est pas quand le Seigneur apparaît devant ses disciples, il leur dit shalom. Il contient que Jésus-Christ. Amen. Quand il apparaît, c'est ça qu'il a dit, shalom. Dit que ma paix soit avec vous. Que mon shalom soit avec vous. Alors ce matin, que le shalom de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voudrons remercier chacun de vous. Je commence comme ça. Amen. Amen. Parce que aujourd'hui, ce sera la fin du programme. Remercier le Seigneur de gloire. Notre Dieu et notre Rédempteur. Celui qui a permis que ceci ait lieu. Nous lui disons merci. Merci aux représentants de cette école, de ces écoles, les directeurs qui ont accepté malgré les exigences de permettre que nous puissions parler de Dieu depuis cette enceinte.
La Bible dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses petits, vous ne perdrez jamais la récompense. Et ce que ces personnalités ont fait, c'est plus qu'un verre d'eau. Non seulement ils ont permis que la parole soit apportée depuis cette enceinte, mais ils nous ont accordé aussi l'hospitalité dans leur maison. Amen. Alors que la paix de Dieu entre dans leur maison. Que la paix de Dieu entre dans leur vie. Amen. Et que la paix de Dieu entre dans leur profession. Amen. Que Dieu les élève. Amen. Que ce Dieu qu'ils ont accueilli à bras ouverts les élève. Amen. 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 La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, des hommes ont reçu des anges sans le savoir. Or, nous sommes les anges terrestres. Or, les anges terrestres ont plus d'autorité que les anges célestes. Ceux qui se tiennent dans la chair. Alors, ils ont reçu des anges. Et ils ont la récompense. Les gens négligent ces petites choses. Pourtant, c'est la porte du ciel. Les gens négligent. Ces petites choses. Pourtant, c'est la porte du ciel. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse également toutes les personnes. Amen. Qui ont accordé leur fatigue aux frères et aux sœurs. Mon mes soeurs, que la paix de Dieu entre dans leur vie, dans leur maison, dans leurs activités. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les frères et toutes les sœurs d'Akiklo. Amen. Amen. Pour tout ce que vous avez fait pour nous depuis le premier jour, jusqu'à ce jour. Amen. Vous nous nourrissez, vous faites tout cela. Que le Seigneur se souvient de chacun de vous. Et qu'il vous bénisse richement. Vous ne répondez pas. Amen. Amen. Ne prenez pas ces choses à la légère. C'est la bénédiction de Dieu qu'on vous donne. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous comprenez cela, je vous donnais témoignage avant d'ouvrir la Bible. Voyez, quand je travaillais, parce que pendant 17 ans, j'étais aux ressources humaines. Avec 17 ans, j'étais aux ressources humaines. Dites-moi, Awansano. Amen, aux ressources humaines. Bon. Il n'y a pas son état. Bon, regarde. Okay, non, pas état civil. Comme chef du personnel. Donc, je prends ça. Amen. 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 Et dans l'usine, où je travaillais, il y avait une femme, Blacon. Elle est dénominationnelle. Elle dit, Amen. Amen. Mais comme entre midi et deux, on prie,
midi et ni deux heures sous yesanya mien. Elle s'est joint à nous et on prie. Elle fait où matin y a pas yesanya mien les camarades. Voyez. Amoui. Et alors chaque fois que j'arrive, y a plein de mes copains. Elle était à la sanitation, c'est-à-dire ceux qui balaient, qui nettoient l'usine, qui nettoient les bureaux. Et tu vas venir me dire là, et nous nous guérons et tu es là, sois avec nous. Amen. Amen. Quand je suis en train de passer, qu'est-ce que c'est? Elle vient près de moi. Elle m'entend mis. Il dit, homme de Dieu, bénis-moi. Est-ce que tu me demandes de faire la maison? Alors il dit que Dieu te bénisse. Il m'a dit que tu me fais la maison. Et puis continue ma route. Nous sommes en train de faire. Quand elle me voit, qu'est-ce qu'on me dit? Elle a fait travailler, elle est celui qui m'a agit, m'a dit, elle vient auprès de moi. Et ben, nous, elle dit, homme de Dieu, bénis-moi. Et puis, tu m'as dit, fais la maison. Que Dieu te bénisse. Il m'a dit, elle me fait la maison. Amen. Amen. Si moi je la vois, c'est vraiment oui. Je vais la saluer. Elle me dit, c'est qu'elle me fait la maison. Et elle répond, elle me dit, homme de Dieu, c'est pour ça qu'elle m'appelle. Amen. Qu'est-ce que tu m'as dit, fais? Et Dieu a fait deux grandes choses pour elle. La première chose, c'est que un jour on était là, le voyou là, elle est venue. Elle dit, ah homme de Dieu, je te dis quelque chose. On manque de conclure. Elle dit, ah mon mari m'a appelé. Mais mon frère mi. Il dit, on a qu'à être comme des soeurs, des frères. Ouais, ok. Agnement, agnia en plaça. Et mais comment dit mon mari et puis il dit être des frères des sœurs. Il y a où c'est que Jacky. Il dit avant et moi yo que agnia bien. Ça fait un certain moment ça ne va pas. Il y a ces gagnants. Ça dit il ne répond plus. Le nyoko il n'y a fini et tiens et tiens. Non il ne répond plus. Ça veut dire et moi nous ne pas qu'on manque un drama. Amen. Amen. Ça dit il peut plus aller avec sa femme. Et il ne peut même s'y asseoir con. Parce que il répond plus. Afrique n'avait. Oh il aime sa femme. Comment est-ce que lui? Alors il a dit à sa femme. Yes il dit que il faut que on soit comme des frères et des sœurs. Ma yo yo mon cœur je dis sans con mais elle ici ma place. Et ça je ne dis pas question. Yes il est Jésus. On ne se marie pas près des frères et des sœurs. Tu as des frères, tu as des sœurs. Mais quand tu maries, c'est au-delà de frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'on fait blacon? Être agnaman, blanc, agnaman, blanc, bien. Il dit bon, on va prendre un jour. Il y a une seconde bon. Elles sont dit, il y a pas quelqu'un. Et en midi et deux, comme on prie, viens, on va prier pour ton mari. Il y a les blancs comme moi, il fallait s'en bien. Midi, et les deux heures, il fallait s'en bien. Et. On a pris un jour. Il fait quelqu'un. Un jour de jeûne. Il fait appeler. Et elle est venue à midi et deux. Midi sous, elle nous a moyen de dormir nous. On était environ cinq. Et il sera encore une nous. Et on a prié pour son mari. Il s'est fait même nous. Amen. Amen. Un mois passe. Ça sera quoi si? Deux mois passent. Ça sera quoi si? Elle ne parle pas de ça. Et quand il est c'est un jour, il a appelé, il attend, que se passe-t-il? Il y a le gonfle de Mousseke, elle sait. Mais et ton mari? Il est en lit. Il dit, oh, homme de Dieu, j'ai oublié. Et moi, oh, il y a un mec qui m'a dit, frère, il y a un la trace. Depuis qu'on a prié, un fil de con, mais il s'est rentré dans l'ordre. Et quoi, il y a Amen. Amen. Et un jour, il y a le con. Je passais encore. Si elle est con. Elle s'est approchée. Elle fait, on m'entend mis. Et elle me dit, homme de Dieu. Est-ce que tu m'as dit, fouet? Quand chaque fois je viens vers vous, que blanc-là, mais vous faites, on m'entend. Bénis-moi. Qu'est-ce que c'est la mission? Pour les hommes, je ne connais pas. Mais quand même, si, mais où? Mais chaque fois, quand tu me dis que Dieu te bénisse, qu'est-ce que je sais ce que ça fait pour moi. Qu'est-ce que tu as dit, mais où là-haut? Nous, on va faire, mais où, mamie? Vous voyez? Pourtant, on néglige. Que Dieu te bénisse. Il ne pas. Que Dieu te bénisse. Et puis, moi, je continue ma route. Il me dit, je sais ce que ça fait pour moi. Moi, c'est que si je me dis, mamie. Et un jour, il y a le bon. J'étais en congé. On va appeler que. Quand j'ai repris le congé, un lundi. Que même, je contrôle l'infirmerie, je suis le patron. Que mon. Que j'étais le patron.
Donc je partais saluer. Voyez, bonjour à mes collaboratrices. Infirmerie. Alors, c'était lundi. Qui c'est qui? Dans le hall, il y avait beaucoup de malades. Soit qu'on nous a, pas qu'il faut me sonner. Et quand j'ai ouvert la porte, qu'elle dit qu'elle a elle était derrière la porte. Elle a noir s'il est. Donc, je l'ai salué, elle dit bonjour. Et il a continué. J'ai salué tout le monde. Je suis allé voir mes collaboratrices. J'ai passé un peu de temps là-bas. Il m'a dit quand à mon retour, je ne l'ai pas vu. Elle, je ne l'ai pas vu. Une semaine après, elle vient voir la secrétaire. Et elle dit, je vais voir le patron. Patron. Amen. Amen. Et elle était venue avec des cadeaux. Alors, la sœur m'a appelé. Telle personne te voit, mais elle est venue les bras chargés. Je lui ai dit, pour lui dire que je ne prends pas. Non, elle n'a pas parti. Elle est là, elle insiste. Je veux voir le patron. Je veux voir le patron. Mon patron. Il dit, ah, elle insiste. Elle est rentrée à son bagage. Alors, elle m'a dit, homme de Dieu, je suis venu pour dire merci au Seigneur. Eh bien, elle dit, est-ce que vous vous rappelez les jours où vous êtes parti à l'infirmerie, j'étais derrière la porte. Ah, moi aussi, ça a eu la tête au sou, le point d'accord, d'autres soient morts, ou à moi aussi. Il dit, j'étais malade. Ou s'en y a mis. Et comme il y avait beaucoup de monde, quand mon sang est sonné, il n'y avait pas de place. Mais là, là où il est. Ça veut dire, j'étais derrière la porte. Et moi aussi, là. Mais quand vous êtes rentré, c'est quelqu'un qui a ouvert une soison, et que vous m'avez salué, moi, je me dis que toute la maladie a disparu. C'est pourquoi j'ai fait ce don pour dire merci au Seigneur. Elle a fait des paquets, des spaghettis dedans, il y a plein de choses dedans. Lui, tout, les billes. Spaghettis. Amen. Amen. J'ai dit, comme tu as dit, c'est pour dire merci au Seigneur. Je vais prendre, je vais envoyer à l'église. Et j'ai envoyé à l'église. Les anciens sont là. Amen. Amen. Voyez, c'est l'attitude. Amen. Le comportement que nous avons pris à vie des serviteurs de Dieu. La parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, des frères et des sœurs sont là. Même quand leur propre frère leur dit que Dieu te bénisse, tu es là pourquoi? Mais on est là pour bénédiction. Mon Dieu, c'est pour dire que tu es motivé à te poursuivre. Mais que Dieu te bénisse, il ne répond pas. Tu es maudit là, il va te faire parler. Donc tu es là pour moi. C'est pourquoi je suis en parole. Quand on bénit les frères, c'est une période de bénédiction. Et que leur bouche là, c'est cousu. Celui qui coupe tes bouches là, ou met ta bouche là, il faut le faire sortir. Il est contre toi. Tu n'as même pas non, mais si c'est un comportement héréditaire, fais sortir de cela. Il faut l'éviter à nous. C'est pourquoi on est ici. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse. Amen. Nyamienden, au ticket, je vais ça. C'est mais quand on a un femme, on se dit quoi? La parole de Dieu, c'est comme les rivières qui coulent.
Si on te parle que tu n'écoutes pas, ça coule, ça s'en va. Mais toi, tu resteras sec. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes vraiment contents. Nous remercions les serviteurs de Dieu. Le pasteur Jean-Louis Tao. Il a déjà prêché. Amen. Amen. C'est un grand serviteur de Dieu. Il parcourt le monde entier. Voyez l'Afrique, les États-Unis. Amen. 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 Tout récemment, j'étais avec lui, avec l'ancien qui est là-bas. Au Bénin et au Togo, et tu as fait de grandes choses. Amen. Amen. Donc, quand les gens voient les gens comme ça, ils pensent que c'est amusement. Ce qui est important là, ça n'attire pas le regard. Amen. Alors, révérend, tu vas dire shalom et puis je vais continuer. Amen. Vous savez une chose, Amsi Ligemon, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ma carte, l'amour, n'est qui nous allons nous avant. Je vais être très simple, dis ça. Non, mais nous avons aussi. Depuis, après le départ de notre pasteur, il est pasteur Dom. En ma ferie, de mon Emmanuel, en ma ferie. Comme il est en train de dire, c'est vrai, c'est un grand serviteur de Dieu partout le monde, c'est vrai. Non, mais nous, il n'y a pas qu'elle est dit, non, mais j'ai dit, moi, mais non, je me suis dit qu'il faut que j'ai un pasteur. Il y a un serviteur, il y a midi que les cons, il faut que j'ai un pasteur. Il y a un ami pasteur, il y a un con. Plus que notre pasteur, Dieu l'a appelé. Il est passé dans mes roulets, en demandant africain blanc, et que à sa place, Dieu l'a élu. Qu'il soit mon pasteur. Il faut mon pasteur. Il faut qu'il soit mon pasteur. Il pasteur. Depuis que j'ai pris la décision comme ça dans mon cœur, qu'on fait ça, qui dit. Je commence à voir beaucoup de choses qui se passent. Donc, je suis en train de faire mes jolies pour nous. Amen. Amen. Vous savez, comme si c'est ça que ma force a fait mon secours. Mais j'ai l'air de faire mes jolies, j'ai l'air de faire. Je suis âgé de lui seulement de quelques petits, mais c'est mon pasteur. Nous sommes maîtres. M'a dit, Blécan, ça y est, un pasteur. Et depuis que j'ai pris la résolution et je marche sous son ombrage, je sais ce qui se passe avec moi. Ici, aujourd'hui, sur le plan international. Dieu a fait quelque chose. Amen. Il a placé mon nom quelque part. Amen. 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 À cause du fait que Amen. Je reconnais son ministère et son autorité. Amen. Je reconnais son ministère et son autorité. Amen. Depuis lors, quelle façon qu'il y a beaucoup de choses se passent pour moi. Amen. Ça pour ma part, mais yo. Amen. Nous avons le révérend David.
David, mon fils Dabo. Amen. Amen. L'un de nos compagnons de service. Hier. Vous avez vu. Amouni. Dabo, le dernier village de Dabo. Amen. 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 Et là-bas, Dieu travaille. Il y a le mouvement qui doit travailler ici. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur, pasteur David. Amen. Amen. Mon pasteur, vraiment, je suis reconnaissant David, mon fils Dabo, pour l'accueil qu'Akekro nous a offert. Amen. Amen. Il y a mon fils qui est ici. Isaac. Isaac. C'est lui qui est avec vous ici. Même quand on serait parti, il restera toujours avec vous. Amen. Amen. C'est parce qu'il est ici qu'on est ici. S'il n'était pas ici, on ne serait pas ici. Hein? Faut dire un mot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous prenons des fortes acclamations, Seigneur? Alléluia. C'est lui qui détient le souffle de vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Peu importe l'argent que tu as. Peu importe les véhicules que tu as, lorsque tu as un problème de santé, il y a un être suprême. Et c'est lui qui détient la solution. Ton argent, tu peux aller avec cela à l'hôpital, mais tu ne vas pas recouvrir la santé. Mais quand tu fais confiance à Dieu, comme lorsque le pasteur David prêchait hier, aujourd'hui le problème des gens, ils sont un peu oublieux. Voyez, ils sont un peu négligents. Lorsqu'un homme tombe malade là, il est fatigué de la souffrance de son corps. Alors il commence à chercher les secours. Hein? Lorsqu'on lui annonce que mon ami c'est fini, hein? Il oublie même son argent. Il commence à chercher les solutions là, n'importe où. Encore un véhicule est en panne, tu ne vas pas aller chez un menuisier. Là-bas, il n'y a pas la solution de la voiture. Il faut aller chez un mécanicien. Donc, quand l'homme est malade, il faut aller vers celui qui l'a confessionné. Et c'est Dieu lui-même. Alors, l'homme est un être double. Il y a le corps. Et il y a l'âme. Et quand l'âme est malade, ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire de Dieu. Et le seul être suprême qui existe, le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est ce qu'on nous a prêché. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Alors tous mes amis d'Akeko, revenons à l'originalité. Revenons à l'hôtel de la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse à tout le monde. Grand shalom et shalom à vous. Alléluia. Alléluia. C'est une voix de tonnerre. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes contents d'être là. Donc au nom de toute la délégation, nous vous disons merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes ici par amour. C'est parce que nous vous aimons que nous sommes venus. Vous voyez que ça peut être facile. Vous savez que c'est pas facile d'arriver ici. Mais on est venu quand même. Et chaque fois que Dieu nous permettra d'être ici, on viendra. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je crois que je ne vais pas prendre trop de temps. Déjà vendredi. Samedi. Nous avons reçu beaucoup.
Alors aujourd'hui c'est un jour d'adoration. L'important aussi qu'on vienne aussi sous le contrôle de notre Seigneur. On va se lever. Dieu puissant, toi qui existes par toi-même, le grand et la Elohim, je veux te remercier de l'opportunité que tu nous accordes d'être là pour parler de ta part. C'est un privilège que l'homme ne peut pas s'arroger. Il faut que ce soit toi qui impulse cela. Et nous croyons que nous sommes ici par ta volonté. Et alors que nous allons prendre les Écritures, je prie que tu envoies ton onction et que tu fasses que nous puissions feuilleter les pages du livre sacré ensemble. Et que tu donnes l'inspiration, même si c'est un mot de ta part, c'est suffisant. Tu as crié une fois, disant Lazare sort, et le mort est venu à la vie. Et pas de ta page. Seigneur, nous croyons que la même voix peut retentir maintenant même. Et quelqu'un recevra, oh Dieu, la délivrance de son corps, la solution de tous ces problèmes, parce que la voix a parlé. Alors, rends-nous attentifs à ta voix. Que toute obstruction soit neutralisée au nom de Jésus-Christ et prends le contrôle du bas tout entier. Alors que je te le demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, nous allons lire le thème de cette réunion que nous avons commencé depuis le vendredi, thème qui a été distribué dans tout Akekro. Amen. Amen. Jean 14, le verset 6. Jean de Trébruni, non, est ma sien. Jésus lui dit. Jésus sait que. Qui parle? Moi, il y a. Qui parle? Moi, je suis. Qui connaît Jésus? Moi, c'est Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, moi. Qui est Jésus? Moi, c'est Jésus. Est-ce un rabbin? Est-ce un prophète? Est-ce un pasteur? Est-ce un évangéliste? Est-ce un évêque? Est-ce un pape? Mais qui parle? Moi, je suis Dieu. Jésus lui dit. Alléluia. Jésus sait que. Amen. Amen. Écoutez bien. Amen. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais dire Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Écoutez attentivement. Parce que il y a trop de confusion aujourd'hui. D'abord, qui est Jésus? Et pourquoi vous avez dit, moi, il y a Jésus, mon sujet. La Bible dit quoi? Quand vous entendez cette voix, quelle est cette voix qui parle? Aujourd'hui, beaucoup d'esprits parlent aux gens. Mais ils reçoivent beaucoup de révélations. Mais ils n'ont pas de repères. Ils attendent véritablement des voix. Ils voient vraiment des visions. Mais moi, c'est nous. Mais est-ce que la source est originale?
Quand le pasteur Tao prêchait, quel pasteur Tao est quand même de, il dit que s'il y a un faux billet de 1000 francs, c'est qu'on ne compte pas une terre. C'est qu'il y a un vrai billet de 1000 francs. Et généralement, c'est parce qu'il y a un vrai billet de 1000 francs que nous ne compte pas que les voleurs, les robeurs imitent l'original. Mais dans l'original, il y a quelque chose qui n'est pas, on ne peut pas imiter. Donc ça veut dire que quand tu prends le billet de 1000 francs, tu peux regarder comme ça paraît correct. Mais il faut un véritable appareil détecteur. C'est Alain qui fait ça. Il faut un appareil spécial. Ça l'est bien ça. Pour te permettre de faire la différence entre le vrai et le faux. Amen. Et Dieu savait que à la fin de temps, il y aurait beaucoup d'imitations. Son que les gens ne sauraient pas ce qui est vrai. C'est écrit dans le livre de Zacharie. On peut le lire. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous aimez la parole, dites Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, Zacharie 14, le verset 7 dit, et maintenant, ce sera un jour unique. Et voyez, tu comment dit, qui connu de l'Éternel. Qui et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais attends, c'est quel jour? C'est unique. Ce sera un temps de brouillard. Où on ne peut pas voir si c'est jour ou si c'est nuit. Amen. Amen. On ne peut pas reconnaître ce qui est vrai du faux. Parce que le faux aura tellement fait beaucoup de chemin que, bon, que les gens prendront le faux pour le vrai. Ils ont dit que le Créateur, il connaissait ce jour. Amen. Amen. Il dit ce sera un jour unique. Ce ne sera pas jour, ce ne sera pas nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Pendant ce moment où tout est embrouillé, la lumière paraîtra. Oh, la lumière, c'est la vie des hommes. La lumière, c'est la vie des hommes. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, voyez, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres. Et la ténèbre n'a point reçu. Amen. Amen. Il dit, vers le soir, cette lumière qui est la parole deviendra pour dissiper le temps de brouillard. Or, la parole ne parle pas à l'air. Pour que la parole parle, pour que vous entendez ma voix, il faut que moi je sois le support. C'est-à-dire que vers le soir,
Dieu va susciter quelqu'un qui va revenir avec le redressement, la restauration, qui va venir avec la vraie lumière pour montrer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est un ministère. C'est Malachie 4. Un temps de rétablissement. Parce que tous les hôtels ont été embrouillés. Amen. Amen. Jésus lui dit, Jésus sait que qui est Jésus? Moi, c'est Jésus. Parce que vous dites savoir qui est Jésus. Ça m'a dit ça, mais pour ne pas minimiser sa parole. Pardon? Pour ne pas minimiser sa parole. Qu'est-ce que vous avez dit, Fifi? Amen. Amen. Un enfant peut parler de sa sœur, un enfant. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Amen. Amen. Un homme peut parler, il n'a pas de poids. Mais quand il traiteur parle, et c'est le traiteur. C'est le ministre. Et quand le président parle, alors tu ne vois pas ce thème. Parce qu'il est la tête de tout. Qui est Jésus? Moi, il est Jésus. Pour que les gens s'abusent avec ses paroles. Mais tiens, quand ça me fait nous devenir quand nous voyons. Amen. Amen. Vous créez sa buse avec sa parole. Moi, mes vingt-neuf femmes qui ont quoi? Amen. 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 Quand on prend Jean 1, quand il fait Jean de décon, vous voulez que la Bible dit au commencement était la parole. Il me dit c'est qu'un peu pour l'annonce. Il me démoule. Amen. Amen. Et la prête était avec Dieu. Pourquoi nous des autres? Oh, il y a la prête de Dieu. Amen. Amen. Et au verset 14, et la parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Amen. La parole de Dieu est devenue un homme. Et cet homme-là, c'est ce qu'on a appelé Jésus. Le nom Jésus, ce n'est même pas un homme qui a donné. Dieu a envoyé ses propres anges vers Marie. Il dit, tu vas avoir un enfant. Parce que Joseph n'est pas le père de Jésus. Amen. 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 Marie non plus n'est pas la mère de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on dit la Bible, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Jésus n'a jamais appelé que Marie est une femme. Amen. 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 Le sang de Jésus n'est pas un sang humain. Jésus-Christ moja, n'a colossal moja. Le sang de Marie là, Marie Moja, ne s'est jamais mélangé au sang de Dieu. Amen. Amen. Marie a dit à l'ange Gabriel. Elle dit, ange Gabriel Kayo. Mais moi je suis vierge. Mais je ne suis jamais allé vers un homme. Comment puis-je avoir un enfant? Amen. Amen. Là, il n'a pas dit Dieu va venir coucher avec toi. Non, je dis à Marie que le Saint-Esprit va te couvrir. Amen. Amen. Et l'enfant qui sortira sera le fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu va venir. Dieu va se former lui-même. Dans ta matrice. Et ceux qui sont allés à l'école, demandez au docteur, demandez au docteur, ou bien allez faire vos recherches. Quand une femme conçoit, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le liquide amniotique. Quand l'œuf se forme là,
L'œuf est dans un liquide. Et où est-ce que j'ai son nom? L'œuf là, il n'a aucun contact avec les cellules de sang de maman. Et ni blanga mes, est-ce que vous voulez au clou? Et moi, et ni boleson, Dieu me dit à quoi? Dieu a fait un liquide. Ah, mais bon, yo, l'eau, c'est quoi l'accouchement? L'eau là doit sortir. Ils ont été qu'aimé, blanga l'eau sort, l'enfant doit suivre. Bon, y'a ban, est-ce que c'est ça? L'enfant est dans l'eau. Ça, c'est l'eau. Elle là, je sors, nous. Voyez, à mon oui. Les cellules de sang viennent baigner quelque part là-bas. Donc le sang de la maman et le sang de l'enfant ne se mélangent jamais. Allez demander la science. Le sang de la mère et le sang de l'enfant ne se mélangent jamais. C'est pourquoi la maman peut avoir tuberculose, elle peut avoir sida. Mais tant que l'enfant est dans le ventre là, l'enfant n'a pas sida ni tuberculose. C'est à l'accouchement, à cause des frottements. Comme l'enfant est gros, les parois peuvent blesser l'enfant. C'est pourquoi parfois ils mettent les mamans sur des trucs pour ne pas que si elle est malade, les germes là puissent rentrer dans l'enfant. Ils ont dit que donc, quand l'enfant sort là, l'enfant n'a même pas les anticorps de maman. L'enfant va commencer à se développer ses propres anticorps. C'est le Créateur qui a fait ça. Amen. Donc Dieu lui-même qui sait ça, il veut pas aussi sort. Alors il est rentré dans le sein comme un œuf. Et quand le temps est arrivé, Jésus est sorti. Amen. Amen. C'est Dieu, la parole qui s'est faite chair. La Bible ne peut pas mentir. La parole s'est faite chair dans le sein d'une vierge. Et quand il est sorti, c'était la parole faite chair. C'est pourquoi la Bible dit, en lui habitait tout ce que tu es. Parce que c'est la parole qui est le commencement, qui est l'homme sur terre. C'est là ton sauveur. Amen. Amen. Mais vous voulez savoir pourquoi Dieu a fait ça? Nous ne sommes pas ici pour critiquer une église. Mais quelqu'un a dit, je suis la vérité. Et ça, nous a dit, quand vous allez connaître la vérité, la vérité va vous rendre libre. Donc, si vous n'avez pas la vérité, c'est votre affaire. On n'oblige pas quelqu'un. Jésus est venu, il n'a pas pris colle pour attraper le coup des gens. Il les a envoyés à lui. Il dit, moi, je suis la vérité. Et tous ceux qui sont de Dieu vont me mais ceux qui ne veulent pas m'écouter, ils ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi il peut dire ça? Amen. Laissez-moi vous dire ça ce matin. Pourquoi d'autres ne vont jamais accepter Dieu. Quand tu parles de la vérité, ils sont énervés. Mais n'a pas fait à moi, maman. Un être humain, quand il est, il sait ce qui est bien, ce qui est faux. Pourquoi volontairement il va dire ce qui est faux? Quand tu sais ça, parce que la vérité, il voit que c'est vrai, mais il ne veut pas. Il sait ce qui est faux. C'est parce qu'il est contaminé. Il est malade. Amen. Amen. Il faut être malade pour voir que ça, l'eau là est propre et puis l'eau là est sale. Mais tu vois pas ce qui est sale là. C'est-à-dire mentalement, il faut être malade. Il faut être malade de voir ce que Dieu dit que c'est vrai. C'est pourtant, tu vois ce qui est faux. Il faut être mentalement malade. Et le monde entier est malade. Mais au moins, on Amen. Amen.
Regardez, les pasteurs ont parlé beaucoup. Est-ce qu'un homme dans son bon sens va accepter, va prendre ça comme normal de se marier avec un homme? Ou bien une femme va prendre ça comme normal de se marier avec une femme? Mais ce qu'on voit ici, c'est parce que la vraie, ça va fouiller. Mais Dieu l'a déjà dit. Mais ne vous pas amen. Il faut dire ça. Il faut abandonner l'usage naturel de la femme. Mais ouais, la Bible dit que ce sont des esprits réprouvés. Amen. 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 Et ces esprits-là qui viennent de quelque part, les ont été sont prescrits de ne pas se marier. Mais quelqu'un, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que les gens disent aux gens de ne pas se marier? Mon message, c'est que non, mais on ne ça appelle l'église. Mais on me dit à son nom. Et pourtant, c'est le corps de Tikela. Comment tu peux prendre la Bible de quelqu'un? Et puis tu vas contre lui. Elle laisse sa Bible propre en toi. Tu ne peux pas être dans ma propre maison et puis marcher contre moi et te dire c'est pourquoi dans l'Apocalypse les chiens, les menteurs et ceux qui aiment les menteurs. Celui qui parle là, c'est que la vérité. Viens. De Timothée chapitre 3. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Mais maman, mais où? Blasphémateur. Mais là, tu vois, frère. Rebelle à leurs parents. Mais ni souillard, mais si ni mes mots. Ingrat. Amoué. Irréligieux. Mais soignez bien dans le sens. Insensible. Quelqu'un des âmes. Déloyaux. Mais pas sous. Calomniateur. Mais pas, mais ton sang, mes soins. Intempérant. Mais tu foufou. Cruel. Mais tu sens foufouet. Ennemi des gens de bien. Mais là, mais pas, mais non, c'est bon. Traite. Bref, frère. Emporté. Mais maman, mais moi, enflé d'orgueil. Mais tu vois, frère. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais ayant l'apparence de la piété. Mais régnant ce qui en fait la force. Romains 1:27. Commence à partir du verset 24. Écoutez bien. Romains chapitre 1, verset 24. Romains voit mes fouins des déconts. C'est pourquoi ils sont dit Dieu les a livrés à l'impureté et mes plus fameux selon les convoitises de leur cœur. Mais pour que ça, nous, si tu marches dans l'impureté là, c'est un mauvais esprit. Ça a dit, ouais, t'es sur mes nous, et c'est que nous fiers sur nous, ouais, t'es en sorte. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Mais aïe, mais où n'est-ce pas, soukou. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité en mensonge. Je suis la vérité et il dit l'Église dit. C'est plus ce que Dieu dit, mais l'Église dit. Et c'est ils vont faire ça. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc celui qui a dit je suis la vérité, le quoi? Béni éternellement. Il est le Créateur. Amen. Amen. C'est pourquoi ils sont Dieu les a liés
livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils sont tellement mémis à son nom, mais n'y est qu'à toi. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pas un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Amen. Et les gens vont voter des lois. Pour que les gens acceptent l'inacceptable. C'est liberté. Amen. Donc, toi qui vas parler contre ça, on va te mettre en prison. Donc, ça, le diable peut obliger tout le monde à accepter le faux. Mais les vrais enfants de Dieu prendront position pour la vérité. Mais si tu ne fais pas ça, on ne t'envoie pas l'argent. C'est l'argent et ma vie. Je préfère ma vie. Si voyez tout ce qui se passe là, Dieu l'a dit. C'est pas quand on vous parle la vérité. Écoutez. Amen. Et la vérité blesse les gens. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est écrit encore. C'est dans Jean 7. Jean de Tenso. Amen. Vous voyez, Jean 7:7. Jean de Tenso et Manso. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous lire ça. Maintenant, clair, ok. Jean 7, verset 7. Jean de Tenso et Manso. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit quoi? Et moi, c'est... Le monde ne peut vous haïr. Mais, est-ce que vous pas? Moi, il me hait. Mon milieu n'est pas mis. Parce que je rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le monde ne va pas te haïr parce que toi tu n'as rien dit. Alien, mais dis-moi, il veut rien parce que je dis que ce qu'il faut n'est pas bon. Quand le monde va sur un prends même route là, Toi tu vas dire que cette route n'est pas bon, mon abonnement n'est pas bon. Tout cela va aller contre toi. Mais quoi, mais il va bout. Amen. Tant que tu vas dans le sens normal des gens, que tu es aimé. Quand tu veux dire que c'est faux, alors tout sera contre toi. Amen. Mes frères, Agnemamou, on va au ciel. Amen. C'est pas à Abidjan qu'on s'en va. C'est pas derrière là qu'on s'en va. Et le ciel là, ça appartient à quelqu'un. Amen. Celui qui a fait son ciel là, c'est lui qui a fait ses lois. Il dit, je vais vous préparer une place. Et quand je vais finir, je vais vous dépendre. Et celui qui a fait ça là, qui a dit ça, il dit, je suis le chemin pour aller là-bas. Le chemin, c'est quoi? Le dictionnaire dit ceci. Il dit, c'est une bande déployée assez étroite. En général, non revêtu. Qui suit des accidents du terrain. Un chemin, c'est pas un goudron. Le chemin là, c'est que si la colline, c'est pas le haut. On ne prend pas dynamite pour dynamiter pour que ça plat. Mais il y a très, très, le chemin, c'est un endroit qui est étroit. Atimati, fille.
qui n'est pas habitué et qui suit les accidents du terrain. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui écoute. Si un truc qui est là, il ne va pas caillou dedans. Tu vas t'arranger pour descendre doucement, doucement. Tous ceux qui vont sur le chemin là, ils vont passer par le même endroit là. Donc c'est un sentier qui suit les accidents du terrain. Amen. Amen. Ce n'est pas droit. Amen. Amen. On le chante. Chemin si radieux et si étroit. C'est pas ça? Amen. C'est un chemin qui est raide. Par endroit, tortueux. Et tu m'as vu mon. C'est ça le chemin. Il dit je suis le chemin. Et moi, ça veut dire quoi? Il faut être attentif. Si à sous. Tu peux aller comme ça. À quoi ça? À un moment donné, ça peut monter. Et quoi? Il faut monter avec lui. À football, hein? Ça peut tourner. Il faut tourner avec lui. Ça peut descendre. Il faut descendre avec lui. Parce que ça suit les accidents du terrain. Et c'est lui qui connaît. C'est pas une rue qui est large. La rue qui est large, c'est là que ça sert pour jouer à l'aller. Vous avez ton magnon. N'importe quoi. Allez chercher femme de la voisine. Mais allez voler ici, allez mentir ici. Ça, c'est là. Mais un chemin qui est étroit, deux personnes ne peuvent pas marcher comme ça. C'est à la queue de l'œil. C'est pas l'âge. Donc, on ne peut pas marcher comme ça. D'accord. Moi, je suis devant. Il est derrière. Et toi aussi. Amen. Je dois faire attention, mais c'est étroit. C'est effilé. Et tu viens sûr avoir des roseaux dedans. Tu peux tomber. Amen. Amen. Je suis le chemin. Amen. 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 Que le nom du Seigneur s'appelle. Est-ce que vous saisissez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la parole. Les gens peuvent venir s'asseoir. Oh, tu es joli. Oh, tu vas aller au ciel. Allez, à quoi y a mes sous? Le ciel là, c'est pas pour les démons. C'est pour les enfants de Dieu. Tu vas pas aller vivre n'importe comment. À quoi y a ça? Tu me trompes. Mentir. Voler. Tu trompes les filles comment? N'importe comment. Avant de faire mon belle femme. Et puis dis, je m'en vais au ciel, je vais à l'église. Tu ne vas pas au ciel. Si quelqu'un dit, tu vas au ciel après ça, lui, c'est un trompeur. Il ne connaît pas la porte du ciel. Celui qui connaît la porte du ciel, c'est lui qui suit le chemin. Alors qu'est-ce qu'il dit? Suivez la parole. Alléluia. C'est pas les gens n'aiment pas la vérité. Vous savez quoi, clou? Amen. Amen. Dimanche, là, on est dans ce. Mon ami, je vais faire l'église. T'as entendu quoi? Je vois Tilion. On t'a dit quoi? Mais c'est assez. Ta vie là, c'est comment? À quoi tu sais? Amen. 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 C'est pas ça l'église. Réalité, son union. Alléluia. Amen. Frère, Agnément. On n'a pas dépensé pour venir ici pour que vous le regardiez. Je peux mettre dans une rue d'Abidjan. Il y a des gens, ils sont à peu près. Et puis on les regarde. Je vais me placer, on me regarder aussi. Regardez mon habit. Regardez mes lunettes. On n'est pas là pour ça. N'est-ce pas évalué? Non. C'est une question de vue de mort. Est-ce qu'on ne témoigne pas aussi? La parole de Dieu est comme un ruisseau. Si tu ne prends pas, elle continue son chemin. Sa façon, tu prends. Tu as la femme sous. Tu ne prends pas, tu n'as pas la vie. C'est là que mon frère de Babali. Lui qui a envoyé sa parole. Alors. Hein? C'est lui qui traduit, c'est pas moi.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis le chemin. Amen. Qui est Jésus? Moi, est Jésus. Il est le Créateur. Est-il que pour la Yvoie? Il est le Dieu suprême. Est-il que pour la Tissou? Amen. Amen. Il est tellement le centre de l'humanité que aujourd'hui, nous sommes en 2024. Le 15 septembre 2024, après Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a dit, après l'union, il est le centre. Après l'union, tout autour de lui. Colossiens dit, tout est fait par lui et pour lui. C'est lui qui a fait toutes choses. Tout existe par lui. Et pour lui. Colossiens n'était con. Amen. 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 Et c'est lui. Le Créateur. Le Dieu que les gens vont adorer. Dans les églises. Il n'y a pas Dieu le Père à part. Il n'y a pas Dieu le Fils à part. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit à part. Ça n'existe pas. Elles sont Amen. Amen. Les gens sont tellement remplis de traditions. Colossiens, on veut dessiner un grand-père avec barbe blanche. Un fils qui est dans la main de Marie. Une colombe qui est là. Frère. C'est du non-sens. On va pas essayer avec ça. Dieu est un homme. La parole qui existait. Amen. 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 La parole qui existait. Amen. Et qui a fait toutes choses est devenu un homme. Il est devenu un homme. Quand il a pris, Jésus. Et la Bible dit tout au ciel s'appelle Jésus. Et tout sur la terre s'appelle Jésus. Lisez la Bible. Donc, si tu vas au ciel, là-bas c'est Jésus. Sur la terre, dans Jean 17, il dit Père, j'ai fait connaître ton nom. Et moi, donc tu as un nom. Donc, elle que Jésus vient nous faire connaître ce nom. Jésus va. Quel est le nom que Jésus a fait connaître? Tu vas ouvrir Jésus. C'est Jésus. Jésus. Et ils ont su que Jésus venu de toi. Et ils ont gardé ce nom. Quel est ce nom? Jésus. Et moi, Jésus. Alors Paul dit, tout doit être fait au nom de Jésus. Paul ou moi, Seigneur, en œuvre. Je me demandais, ou en acte. Pourquoi Pierre n'a pas fait ça? Pourquoi Paul n'a pas fait ça? Aucun apôtre n'a fait ça. Après le concile de Nicée. Et maintenant, toutes les églises ont pris ça et puis ils défendent des théologiens, des agents du diable. Mais là, vous en souviens? Bon, mais qu'est-ce que vous faites? Amen. Amen. Si vous n'aimez pas la Bible, laissez la Bible. Mais ça pour aller dans la chair pour prêcher. Tout ce qui est dedans, c'est ça qui est la vie. Dieu, quand on nous a dit, je suis la vie. Et moi, tu vois. Amen. Amen. Ceux qui aiment la vérité acceptent. Et ceux qui aiment la vérité ne sont pas beaucoup. Il a dit petit troupeau. Petit troupeau. Amen. Faut pas craindre. Parce que ton père a trouvé pauvre. Assis. Et Dieu le royaume. N'es-tu pas content de faire partie du petit nombre? Moi, je suis heureux d'être ce nombre méprisé.
si un artiste qui a déchiré ses pantalons était venu ici, tout le village serait ici. C'est au fil des années de faire que faire une aliénation de pensée des gens. Avant un homme normal. Quand tu allais payer ton tissu. C'est tailleur là à couper petit là. Il a fait avec toi. Et parfois il paye quand. Quand tu coupes, quand tu portes ta bécane, ça se déchire là. C'est bon pour la province, ça se déchiffonne. Mais le diable a payé un renégat dans un tétou. La fumée de l'éca, ses pensées sont mélangées. La brie. La vie déchirée là, elle commence à chanter quelque chose. Elle est trop les gens. Dit ah les artistes. Pour combien? Alors, sa fonction du diable. Quand vous avez un chien d'entre nous. Avant c'était le garçon, mais la femme. Il y a sa menu pour bien voir. C'est la mode. Ça vient de l'enfer. Elle t'a pas à souligner. A du choix. Avant de faire quelque chose, il faut te demander où ça a quitté. C'est un moyen que vous avez. Et qui a fait ça? Il faut y avoir un lion. On prend ça mode. Mode, a du sou. A du sou. A du sou. Ils vont. Déchirer les habits maintenant. Des acteurs, des démons incarnés, tu les vois, quand vous mettez du balai, ceci, il faut tirer des pattes. Mais le balai me contente là. Voici l'homme qui est là-bas, on a eu à faire délivrance de un. Il y a ni un sorcier. Pendant un mois, lui-même l'a refusé. Un grand gardien de but ici. Elle dit, ballon tout fait, mais nous, mais c'est un gardien de but. Un gardien de but. Ballon tout fait, mais si. Dans le football là, où ceux qui est à poteau là. C'est un médium, Wakanda, non, mais t'as ballon, mon. C'est l'un d'entre eux. Mais nous, quoi. Amen. Amen. Un grand sorcier. Il y a une tête d'un bacon. Amen. Mais son pape là, il a fait ça au bord de l'eau. Il y a un dans son salon, c'est Caïman. Amen. Amen. Et son nom dans le baron là, c'est quoi? C'est araignée. Il y a un ballon noir, enfin, de quoi il va faire. C'est un gars, il dit c'est quoi? Personne ne peut mettre baron dans son poignet. C'est comment faire par mauvais. Les gens ne sont pas créés. Très amour. On a fait ça de nous. Il fait une grâce. Sachez que je quitte. Il peut pas y avoir nous. Amour. Amen. Amen. On a fait ça de nous. Il est déli. C'est là qu'il a raconté tout ça. Il va au bord de l'eau. Et Dieu non. J'ai là ou bien il fend l'eau et puis il rentre en bas. Ça c'est une illusion du diable. Amen. Moi je ne suis pas allé dans l'eau avec toi. J'ai dit, ouais, il était chassé tous ces démons là. Il y a puissance et puis il y a puissance. Amen. Pendant un mois. Alléluia. Alléluia. Comment des gens, nous étions en colossant, caleçon là, à la prochaine, on ne veut pas qu'on voit son caleçon,
Ça fait deux semaines, un mois, de parler avec la soeur même. C'est ça, comme ça. Vous allez dire la vérité à qui? Moi, quand on est en tant que client, c'est quel but s'attraper? Je suis le chemin. Ndiate. Je suis la vérité. Dinaoule. Et je suis la vie. Viens, dis-moi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te parle. Amen. Amen. Il dit, vous, les gens ne vont pas vous haïr. Parce que vous êtes avec eux. Mais moi, je leur dis que ce qu'ils font là n'est pas bien. Donc, tous ceux qui vont dire que leur mari ne fait pas bien ne vont pas les saisir. Et à un moment donné, ils vont mettre des lois pour les empêcher de prêcher. Amen. Ils ont commencé dans d'autres pays. Amen. Amen. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais Dieu a dit ça va arriver. Aimez la vérité. Sortez de ce couvent. Étroite est la porte. Resserrée est le chemin qui mène à la vie. Mais large, spacieux, d'abord est la voie qui mène à la perdition. Le maire de la ville vient ici. Le préfet vient ici. Ça ne veut rien dire. Beaucoup passent par là et voient la fête. Luc dit, efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit. Fais ton effort ce matin, toi qui m'entends. Ne suis pas la foule. Cherche le chemin. Et toi, efforce-toi d'entrer par là. Ça va te coûter quelque chose. Alléluia. 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 Ça va te coûter quelque chose. Frère, amen. Nous avons fait la vie. Amen. Celui qui parle, je suis le chemin. Et moi, la Bible, c'est Jésus qui dit ça. Je te casse en yon. Quand il a fini de dire ça, il a pris un caillou et puis il l'a poursuivi. Mais frère, je ne vois pas femme et puis. Toi, tu es un homme. Abattu colossement. Amen. 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 Mais attends, eux là, est-ce que ils ont quoi? Ils sont des pierres? Avant d'après, ils sont des hommes aussi. Je connais. Mais pourquoi ils veulent que les hommes les écoutent? Je dis, mais avant d'après, ils envoient loi. Nous, on me dit, là-bas, celui qui va écouter ce portion de Jésus là, le chat de l'église, ça n'a même pas été. Mais ça, même quand les gens nous ont donné avec ça à beaucoup de personnes. Si vous partez là-bas, on vous chasse. Vous allez rendre compte. Vous allez mener enquête. C'est ce que vous avez Jésus. Quand Jésus a fait une réunion, les pharisiens, espions, viens regarder. Espionnez. Tu as maudit. Mais toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Attends, dis-moi. Si mon billet là, c'est un vrai billet, est-ce que je vais avoir peur qu'on dit bon, on va passer au détecteur? C'est un comique, mais non, même il y a ceci. Je dis alors au détecteur. Mais si tu as un faux billet, tu vas au détecteur. Quand on fait beaucoup de bruit, c'est qu'on n'a pas d'assurance. Et le diable intimide les gens par la peur.
La Bible dit dans Ecclésiaste, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Le combat déjà aujourd'hui, c'est le monde qui a déjà été. C'est pourquoi la Bible est notre référence. Comment les gens, depuis que le monde existe, ils ont marché face à la lumière. Quand la parole même est venue, comment les gens ont traité cela? Ceux qui ont accepté la parole, comment elles ont été traitées? Alors les mêmes choses vous se répéteront chaque fois. Méclamé pour nous, méclamé flanou. Ils ont donné des lois. Alors un jour Jésus passait. Il y a le grand Jésus aussi. Il trouve un aveugle né aveugle. Amen. Amen. Il a interpellé Jésus. Il a Jésus. Amen. Amen. Et non, c'est pas un aveugle, c'était un boiteux. Je crois. C'est Bartimée, si, il était aveugle. Oui, c'est pas. Amen. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais voir. Moi, c'est. Amen. Amen. Normal, c'est toi que ton enfant est aveugle là. C'est moi. Et puis on a prié les créatures. Tu vois, il a parti partout. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais comme l'église a dit, là-bas, on ne va pas là-bas. Dieu lui-même est là. C'est celui qui était aveugle qui est content. Eh bon, non, merci Seigneur. On le convoque. Ceux qui disent que la parole, ils le convoquent. Qui t'a guéri? Moi, il dit, il préfère que l'on soit malade. On l'a guéri, l'on ne sont pas contents. On va tuer quelqu'un parce qu'il a guéri quelqu'un. Qui t'a guéri? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que il m'a dit de voir de est-ce que votre fils là, c'est vraiment ce qui était avec là qu'on va essayer? Depuis sa naissance, à pourquoi il va maintenant? Ils ont peur. Parce qu'ils ne veulent pas prier. Peut-être qu'ils sont déjà dans l'église là-bas, ils ne veulent pas faire ça. Ils sont peut-être dans l'église, ils ne veulent pas faire ça. Ah, mon Seigneur. Ah, mon pasteur. Ah, mon évêque. Mon pasteur. Ah, mon évêque. Ce qui est sûr, c'est notre enfant. Mais celui qui a croisé Jésus, il n'a peur de rien. Il a convoqué. Dis-nous, tu vas jurer devant nous. Qui t'a fait voir? Moi, Seigneur. En temps, il a vu que c'est Jésus. Quand vous êtes au milieu de Jésus-Christ, il dit, celui qui m'a fait voir là, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est un démon. Mon prêtre, tu nous as enseigné à créer que Dieu n'écoute pas les démons. Mais celui qui fait sa volonté, c'est là que tu écoutes. Mais comment il peut être un démon? Il peut voir. Si le démon, il ne sait pas. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Amen. Il dit, toi qui es né hier là, tu as chassé de l'église.
Si vous ne voulez pas qu'on vous chasse, c'est votre affaire. Cherchez la vérité. Je suis la vérité. Et la vérité libère. La vérité rend libre. Acceptez la vérité. Vous serez délivré. Amen. Amen. Ce que nous prêchons ici, si quelqu'un se pense qu'on est en train de mentir, c'est un n'a qu'à venir prouver le contraire. Pas par un manuel d'église. Mais n'a qu'à prendre la Bible. Venez nous prouver que c'est pas vrai. Amen. Amen. On peut dire beaucoup de choses. Amen. Amen. Je veux surveiller un peu l'heure, parce que je ne sais pas quelle heure il est maintenant. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amoua. Vous êtes là? Amoua. Vous êtes là? Amoua. Mais maman, vous n'êtes pas fâché contre moi. Amoua. Vous n'êtes pas fâché contre moi. Amoua. Vous n'êtes pas fâché contre moi. Amoua. Je vous dis la vérité. Nous sommes venus pour vous aider. C'est ce que le pasteur Kao a dit. Aider quelqu'un, c'est de lui donner la vérité. Le pouvoir de se défendre. Amen. Il faut qu'il ait l'assurance. Et là, il met ses pieds, c'est vrai. On peut trouver tout. Mais si votre destination éternelle, ne laissez personne vous tromper. Il y a une seule qui détient ça, c'est Jésus. Jésus le chemin. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre chemin. Il dit le chemin. Il a dit un chemin. Si tu es sur un chemin, c'est qu'il y a plusieurs chemins. Mais quand je suis le chemin, c'est-à-dire en dehors de ce chemin-là, tous les autres chemins vont te faire descendre. Mais t'es pas. Il y a un seul chemin qui monte. Je suis la vérité. C'est-à-dire en dehors de ça, il n'y a pas d'autre vérité. Tout le reste, ça, c'est un mensonge. Je suis la vie. C'est-à-dire en dehors de Jésus, celui qui te promène la vie, c'est un menteur. C'est la mort. Soit la vie, soit la mort. Si Jésus est la vie, tout le reste, c'est la mort. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Je ne vois pas une femme. Moi, dit, j'aime mon mari. Moi, ce mari dit, ah, moi, je n'aime pas sauce graine. Matin, midi, soir, elle prépare sauce graine. Elle est quittée, vous voyez. Elle est passée à l'eau. Amen. Amen. Elle dit, je n'aime pas sauce graine. Ah, moi, c'est ça qui prépare. Elle dit, attends. Donc, tu as marié qui? Moi, je dis, amen. C'est tant que tu n'es pas prêt à accepter l'autorité d'un homme, tu n'es pas de marié. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas sur Jésus, laisse Jésus tranquille. Qu'est-ce que tu dis? Mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vas faire, un jour, tu vas te devant lui. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne iras jamais au ciel. Il y a là-bas, là, il n'y a pas un endroit où on négocie. Lors qu'il vienne. Il n'y a pas purgatoire. Il n'y a pas prière des saints. Qui vont te faire sortir de là, jamais. Il a donné aux autres de mourir une seule fois. Après avoir vu le chemin, point. Tous les autres là, c'est pour prendre votre argent, c'est tout. Amen. 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 Frère. Amen. Peuple d'Akikro. La lumière a jailli. La voix de Dieu est venue jusqu'à vous. Ça dépend de vous. Si vous voulez rester dans les ténèbres, alors ça vous regarde.
Mais aujourd'hui, justement, cette voix que vous avez entendue depuis vendredi, cette voix, vous allez entendre cela à nouveau. Parce que la vérité vous a été prêchée. Vous êtes libre d'accepter. Mais ne dis pas que je n'ai jamais entendu. Si je ne pourrais pas dire ça. Amen. Amen. Que tu sois dans ta maison. Que tu sois au marché. Peu importe l'endroit où tu te trouves. La vérité de la parole t'est présentée. Amen. 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 La vie, c'est de la parole. Ça fait exposer largement. Donc je ne reviens pas là-dessus. Amen. 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 La parole, c'est une épée, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Amen. 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 Mais ce matin, j'essaie d'aplanir un peu. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes là? Amour. Qui aime la parole? Moi, je vais me dire. Qui aime la parole? Moi, je vais me dire. Qui aime la parole? Moi, je vais me dire. C'est Dieu qui vous a fait. Je me prie à moi. Et ce Dieu qui vous a fait, je me prie à moi. Il vous veut. Et toi, à moi. Amen. Amen. Si la parole est exposée correctement, Seigneur, mes amis, qu'est-ce qu'il a dit ça? Les signes vont suivre. Nous dit, à travers quoi mes Dieu est venu pour libérer les captifs. Je ne veux pas que, et ici, mes amis, t'as vu à Kekro. Donc tu as besoin de toi pour délivrer les autres. Mais ouvre ton cœur. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Donc si je mets ça, tu vas voir. Amen. 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 Voyez. Si vous acceptez de conformer à la parole, la parole de Dieu. Moi, j'ai accepté le message là. Nous soyons maintenant avec nous. Première année d'étudiant. En 89, non. Amen. Amen. C'est là que j'ai accepté les messages. Je me suis conformé à cela. Étudier là-bas, c'est le tricheur. Mais notre prophète Branham nous a dit de ne jamais tricher. Amen. Amen. Je ne l'ai pas fait. Amen. 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 Mais ce Dieu que je prie, il s'est révélé à moi. Et il nous crée. Amen. Amen. J'ai dit à mes amis, à demain, deux sont des directeurs. Vous êtes directeurs de banque, des forêts de pouvoir. Amen. Amen. D'autres aussi ne font rien. Le mouvement, mais médiatiquement. Amen. 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 Mais moi, j'ai joué la bonne part. C'est pas le cas. Dieu se révèle. Je dis à mes amis, on va étudier au foyer. Non, mais quoi, soit je dis, arrêtez le pétrole. Ah, mais à qui, je suis le pétrolier moi-même. Moi, tu dis Fiani à Foué. Mais je vous dis, comment moi, je vais être connecté. Moi, il y a celui qui est le créateur. Moi, je vais me conformer à ses exigences. Il va me laisser. C'est pas ce que l'on a dit. À quel jour? J'ai reçu ce témoignage-là à l'église. Ils savent ça. Ils tout ce qu'on doit faire, Dieu me montre ça. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je dis, on a beaucoup de modules. Non, mais vois ma sonnée. Je n'ai pas bossé tout ça. Comment je pas? Toi, tu es Dieu, tu connais. Allez, viens, viens, quand il a fini de prier, qu'est-ce qu'on vient, mes frères? Je prends. Je vais faire foi. Tel. Je vais faire foi. Quand je commence à lire, j'espère que je mets à gauche. Qu'est-ce qu'on vient, à gauche, à droite. C'est pour ça, Dieu, mais je fais le tri. Je ne veux pas nous. Tout ce qui est à gauche, je ne touche plus. Mais personne je viens à ce qui est à droite.
je prends chapitre par chapitre, partie par partie. Quand ça m'inspire, je mets. Je me retrouve avec un petit nombre. Et je dis à mon voisin, tout ce qui est ici là, c'est les amis qui sont là. Et tu dis, ah ben, si tu m'as cru, c'est ça, tu m'as pas cru, c'est mais ça. Tu vois, la question, ah, bah, je suis le pétrolier. Arrêtez vos pétrole de fiat. Et je lui ai dit, c'est ici qu'on peut poser. Vous voyez, quand on arrive là, on ne me pose pas question. Je ne suis pas le plus intelligent, mais je confie à un Dieu. Et quand on arrive, je vais s'asseoir. Je vais m'asseoir moi seul quelque part. Si je dois échouer, je vais échouer proprement. Dieu m'a donné. Et quand on arrive, les yeux sortent, c'est exactement ce que Dieu dit. Et moi, je viens parce que papier. C'est pas ce que, c'est pas le truc qu'on a fait là. Mais non, bien sûr, oui. Et ce n'est pas manqué. Bon, et tout le monde, fondement. Tu es réel. Dans la Bible, les gens se confient à Dieu. Et Dieu les a aidés. Même quand j'ai fini, je ne travaille pas. Mais j'étais dans l'œil du Seigneur. J'ai dit, mon pasteur, laisse-moi une semaine. Je vais aller en plus. Je vais croiser Dieu. Si elle ne va pas travailler, il faut qu'il me le dise. Si elle ne va pas travailler, il faut qu'il me le dise. Je suis allé. Là, d'accord, je suis allé. Il fait 3 jours de jeûne. Je faisais mercredi, vendredi, et jeudi. Vendredi nuit, le ciel s'est ouvert. Dieu m'a tout montré. Quand je suis sorti de là-bas, je suis venu le 1er février 2000. J'ai commencé à travailler. Février, tu m'as écrit 2000. Amen. Amen. À ma 49e année, la société a fermé. Quand à la 50e année de mon jubilé, je suis rentré pleinement dans le ministère. Dieu. Mon ami qui est là-bas, il sait. C'est mon beau. C'est mon ami. Ce que je dis là, il est un peu au courant. Parce qu'il me rendait visite en cité. Amen. Mais c'est quel Dieu on joue, on adore aujourd'hui, et puis tout est noir. Non. C'est dans notre position. Amen. Amen. Un jour, les cons, l'apôtre Pierre, Pierre a posé la question à Jésus. Jésus, il dit, mais Seigneur, les temps sont difficiles. Hein? À cause de toi, a demandé, on a abandonné. Parfois, on nous a chassés de nos maisons. Mais faut être nous. On a laissé des gens. Et à qui, ma pêche là. Tu as dit sur moi. Pour ça, dit, c'est ça qui compte de ma famille. Et des j'ai laissé pêche là. Mais qui soit violé. Hein? Luc. Il a abandonné son métier de médecin. Est-il d'autant est-ce à cause de toi. Mais a demandé. Quand tu t'es appelé là, on a fait comment? Il dit, Pierre, Pierre, regarde-moi bien. Il n'y a pas. Et écoute-moi. Il n'y a personne sans le fil. Il n'y a personne sans le fil, mon ami. C'est pourquoi, si vous attrapez Dieu, attrapez Dieu! Ne sais pas comme ça qu'on sait, mais Dieu l'a donné pour moi. Mais tu es un adulte, tu dis qu'il est un adulte. A dit, tu es un la passe la parole. Il n'y a personne. C'est le film, à cause de moi. Mon doux menti va abandonner père. Mon Eva. Va abandonner mère. Va abandonner enfant. Mais on va me chasser de cette terre. On a fait. Est-ce que tout cela? Mon question. Est-ce que c'est qui ne va pas le supporter sur terre? Mon est-ce que c'est moi c'est soit pas père. Assis. Des mères. Mon yannier. Des frères. Mon yannier mort. Des sœurs. Mon yannier blanc. Et quoi? On centuple. Mon yannier. Mais soit. Des terres. Des maisons. Et après, là-bas, la vie éternelle. Ce chemin-là, c'est déterminé.
Et que tu suis ce chemin, tu attends, tu n'es pas comme ça. Attends, mais c'est la Bible. Amen. Comment toi tu adores et puis tu es là, tu es fiché à nous aussi, pourquoi? Les voix de l'adoration. Quand il boue, bah essaye qui? Il me soulève pas. Et tu connais le roi. Prends ça, va devant lui. Pierre, mon courage, le fais. À cause de toi, j'ai abandonné ça. Pierre, je te suis. A tout m'a dit, mais qui va me lève. Les affaires que tu as abandonnées là, bah, qui me lève. Il va me dire d'autres affaires. Sans femme, le Dieu t'a chassé d'une terre, tu vas avoir beaucoup de terre. C'est au fait, vous. Si tes frères t'ont chassé, tu auras beaucoup de frères en Christ. On voit beaucoup de frères en Christ. Christ va t'aider, tu vas te soutenir. Mais pour d'abord, si on t'achète d'une maison, cette histoire, tu auras des maisons. Agne soi. Et pour couronner cela, tu auras la vie éternelle. Un tableau. Agne soi. Tu ne perds pas sur la terre, tu ne perds pas au ciel. Amiens, c'est sous. Amiens, Bruno. Maintenant, si la terre vous le perd, c'est votre affaire. C'est assaison à l'ombre. Avant de Bruno. C'est l'évangile, c'est pas écrit. Et d'accord, Loi. Alors, comment nous, on suit Dieu? Les épreuves, c'est vrai, mais ça va. La joie n'a pas été éternellement. Si toi, tu es épreuve éternellement, il y a un problème. Ça a fait nous, maniement. C'est que nous dégrivons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ici? Un petit pas. Je suis le chemin. Diati. Je suis la vérité. Dinaoule. Je suis la vie. Personne ne peut venir. C'est pas moi. Il n'y a pas Marie dedans. Bien mon. Timothée dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Timothée, c'est Jésus-Christ homme. Il n'y a pas un ancêtre dedans. C'est Jésus. Il est seul à payer le prix. Et mon premier temps, il est dit. Vous avez dit? Un petit peu. La vérité, c'est ça. Non, mais il y a non. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors ce matin. Et sans dire que moi. Qui veut prendre position pour la vérité? Qui veut prendre position pour la vérité? Amen. Amen. Si tu veux prendre position pour la vérité, lève-toi. On va prier pour toi. Celui qui veut prendre position pour la vérité, où est le livre de Tao? Pasteur Tao, oui. Amen. Amen. Tous ceux qui veulent prendre position pour la vérité, mettez-vous. Amen. Amen. Ne peut pas ça à la légère. Non, c'est un peu que ça. Alléluia. 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 Moi aussi, je prends position pour la vérité. Amen. 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 Nous sommes là pour défendre la vérité. Même regarde, avant même qu'il soit crucifié. Pilate. Pilate. À cause des honneurs. Il sait que Jésus n'est pas un voleur. Il était en disgrâce. Et maintenant, il commence à avoir des honneurs. Et Jésus est une pièce maîtresse pour qu'il gagne en notoriété. Et il se quoi c'est? Dieu, le Dieu du ciel, il a donné son nom à la femme de Pilate. Et voilà quoi c'est Pilate qui l'a fidèle ou qu'elle? Et alors, elle a envoyé rapidement un cavalier, un messager. Avec une exigence. Et mon mari, laisse le temps tranquille, hein? Parce que à cause de ce homme, j'ai terriblement souffert la nuit. Bon, voilà, ça ne fait pas. C'est un saint, laisse-le. Sans cette fois, il y a qui non. Quand Pilate a lu la lettre, il a tremblé. Et vous souriez. Il allait vers Jésus. Et moi, Jésus, mais toi, qui es-tu? Moi, là. Es-tu le roi des Juifs? As-tu juif, monsieur? Mais dis que. Je dis, mais ce que tu dis là. Tu le dis de toi-même parce que les autres le disent. Amen. 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 Amen.
Jésus dit, moi je suis venu rendre témoin à la vérité. Et tous ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Alors Pilate pose la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Il pose question. Au lieu d'attendre Jésus lui donner réponse qui va le sauver, il finit de poser question. Il tourne dos à Jésus. Et puis il s'en va vers Bassinto. Mais il dit, qui veut-vous, voulez-vous que je vous relâche? C'est Jésus qu'on appelle Christ. Ou bien Barabbas le gâteau. Amen. Amen. L'histoire dit, dans la fin des mois, quand Pilate a fait ça, il a été frappé de folie après. Partout il marchait, il prend sa bilance dans ses mains. Jusqu'à il est tombé dans un puits et puis il est mort. Et tous ces descendants-là sont morts misérables. D'autres sont morts au péché. Mais parce qu'il il n'a pas accepté l'avertissement que tu as donné. Donc, tu fais ton choix. Choisis ton église. Choisis ta famille. Mais ce jour-là, tu comprendras. La vérité, c'est une seule personne. Et c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent prendre position pour la vérité, mettez-vous debout. Et le Blanc Tao va prier pour vous. Amen. Parce que Tao a une femme à vous. Alors, pendant que tu es debout, alors je interprète. Lève la main droite. Ma sa femme à vous. Il est question de prendre position pour la vérité. Qu'est-ce qu'on fait enfin, Yassine, enlevant la main droite, à sa mort, à nous, tu as le dire, à tous ceux que, à Dieu, que tu laisses tomber le monde, tu laisses tomber le mensonge, et tu prends position pour la vérité. C'est pourquoi tu lèves la main droite, et l'esprit de la vérité va descendre sur ton lit. Et ça va te conduire. Yeah, ouais, t'y toute ta vie. Après quoi, on a dit à son enfant. Moi aussi, je lève ma main. Donc, je m'en assure. Parce que j'ai aussi besoin de prendre qui. Position de la vérité. Donc, on a une seule vérité. Comme notre pasteur vient de dire. Que y est passé en vacances. Je lève aussi ma main pour la vie. Pour m'en assurer. Seigneur Jésus, l'auteur de la Bible. L'auteur de la parole, le seul et vrai Dieu, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et Seigneur notre Dieu, tu as inspiré ton serviteur et il nous a orientés ici dans ce village, Seigneur, pour présenter le chemin, pour présenter la vérité, pour présenter la vie à tous les habitants de ce village. Ô Seigneur, et ce matin, nous venons encore d'écouter ta parole. Et après nous avoir parlé, après nous avoir donné des conseils, après nous avoir donné des exhortations, après nous avoir donné des instructions, Seigneur, il est question maintenant de prendre position pour la vérité. Alors mes frères, mes soeurs et moi, nous venons humblement au nom de Jésus et nous levons nos mains droites vers le trône de Dieu, vers la grâce de Dieu, vers la miséricorde de Dieu. Nous levons nos mains droites pour dire Seigneur,
nous prenons possession pour la vérité. Après avoir écouté la vérité, qu'à partir d'aujourd'hui, que la vérité s'empare de nos âmes, s'empare de nos vies, s'empare de nos maisons, s'empare de nos familles. Qu'à partir d'aujourd'hui, que la vérité nous conduise, que la vérité nous dirige, que la vérité nous guide, que la vérité nous entraîne, que la vérité s'empare de nous. Oh Dieu, combien tu es bon. Tu ne veux pas que nous soyons égarés. C'est pourquoi tu as inspiré ton serviteur en lui donnant ce thème. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Père, nous voulons garder les principes de Dieu. Garder les prescriptions de la parole et demeurer toujours en tant qu'enfant de la parole, en tant qu'enfant de la vérité, Seigneur. Merci pour tous tes grands bienfaits. Merci pour toutes ces mains qui se sont levées. Le diable, il peut venir, Père, avec ses manigances, avec ses ruses, avec ses tromperies. Mais je crois que la vérité est supérieure au mensonge. La vérité est plus puissante que le mensonge. Que le diable, avec ses ruses, avec ses tromperies, quand il essaiera de venir vers cette nouvelle personne, vers qui que ce soit, avec ses ruses, qu'il soit maudit, qu'il soit foudroyé, qu'il soit néanti. Que la puissance de la vérité le détruise à jamais. Rends-nous victorieux par ta parole, plus que victorieux. Que les œuvres du mensonge, les œuvres du diable, les œuvres de Satan, le mensonge, la saleté, tout ce qui est anti-parole soit sous nos pieds, soit sous nos pieds. Et que Dieu, nous nous levons pour la vérité. Sois béni, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'église, bénis ce village, bénis les mains levées, sois avec nous, que la vérité nous garde et qu'elle nous bénisse, Seigneur, parce que nous avons pris position pour la vérité, nous avons accepté la vérité, de vivre avec la vérité, de marcher avec la vérité, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Vous asseoir. En transit. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ma cabine est brillée. Que le nom du Seigneur soit béni. Ma cabine est brillée. Alors que la réunion tire vers sa fin. Que mon Dieu nous capoule, est-ce que vous nous. Hier, nous avons dit, on a prié pour les personnes. Et j'ai dit que ce matin, on priera encore. S'il y a des personnes qui souhaitent encore qu'on prie pour eux, pour que leur vie soit entièrement entre les mains du Seigneur. Sortir de la fausseté. Et entrer en Christ comme on l'a entendu hier. S'ils ont besoin de l'aide du Seigneur, ou s'ils sont malades d'une manière ou d'une autre, on prie pour vous croyez que Dieu a déjà fait le travail. Mais si quelqu'un a besoin d'aide, je ne sais pas bien. Alors, que ces personnes se lèvent. Je crois qu'hier on en a prié. S'il n'en a pas, on va faire autre chose. Venez au milieu ici. En venant croyez dans votre cœur que Dieu va faire le travail pour vous. Oui, l'ancien Félix vient. Ancien Félix, Mataïwa. Mm.
croyez. C'est pas l'homme qui fait quelque chose. Amen. Mais Dieu, pour qui tu prends position, c'est le même travail pour toi. Croyez simplement. Que même les médecins, depuis là, tu cherches une solution, tu ne trouves pas. Jésus est la solution. Si on prêche un Dieu qui délivre et qui ne demande pas qu'il délivre, c'est qu'on est des menteurs. Mais nous vous disons ce qui est vrai. Et si vous croyez, vous allez voir, la chose va se concrétiser. Faites un rang. Placez-vous derrière. Tout le monde, un rang. Placez-vous derrière. On ne vient pas pour s'amuser. Ayez quelque chose de réel que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Si vous êtes malade, vous avez un besoin, un souci quelconque. Ça peut être pour vous, mais pour votre enfant, ça dépend. Votre mari, mais pour votre femme, ça dépend. Dieu, il est Dieu. Aucun démon ne peut résister dans sa présence. Aucun trouble. Même si c'est des problèmes de fécondité, tout ça. On l'a entendu. Yé Tibi. Quand une voiture est gâtée, on va. On va. Tous ceux qui sont sur les bâches, là, fermez les yeux, soyez en prière. Parce que c'est dangereux, ce sont des esprits, c'est un combat. Il a dit, messieurs, fermez les yeux. Il ne veut pas accepter. Alors il a dit, Seigneur, ne laisse pas ces prédicateurs empêcher la délivrance de ses enfants. Il a réprimandé l'esprit. Les 23 prédicateurs ont attrapé les serviteurs. Ils sont partis avec les soeurs à vie. Les 23, l'enfant a été guéri à la chair. Mais au même moment que l'esprit est sorti, ça a pris les 23 prédicateurs. Ils sont venus. En bonne santé, ils sont partis malades. Il y avait une jeune fille également. Elle était à l'estrade et au balcon. Elle a dit, ferme les yeux, ma fille. Elle n'a pas voulu accepter. Quand elle est sortie, ça prit la fille. Elle avait 14 ans de folie. Elle était mariée. Elle est bien. Elle a dans une vie pour se marier à nouveau encore. Et quand son mari vient voir le prophète. Elle a prié. C'est 14 ans après qu'elle a retrouvé son esprit. Peu importe ce que c'est. On va prendre, mais à partir de Fati. Dieu, il y a un peu de guérir. Et pas de démon. Il est là pour te rendre libre.
Et pas que les mamans font dit pour te soutenir. Elles sont en beau. Pour pourvoir tes besoins. Et yo m'en a même mis à ça. Et yo m'en a ce Dieu là. Et son ami non. Thank you.
Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. 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 Parmi toutes ces personnes qui viennent de prier, qui sait qu'il a reçu sa guérison? Hein? Oui, qui croit qu'il a été guéri tout à l'heure? Et je suis bien. Il n'a qu'à se lever. Mais il y a ceux qui l'ont. Celui qui pense, qui croit qu'après la prière là, il a reçu quelque chose, il n'a qu'à se lever. Ça m'a fait ce que je suis bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Vous tous croyez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons annoncé le baptême. Ce matin, est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent s'ajouter pour aller prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Tous ceux qui veulent prendre le baptême, nous allons venir quand ça approche aujourd'hui ici. Et s'il y a deux personnes qui sont prêtes tout à l'heure, on s'en va les baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont annoncés hier, avancez-vous. Oui. Vous êtes prêtes? Moi, ceci. Tout à l'heure, vous allez chercher des habits de l'échange. Et puis, nous allons aller dans la zone du baptême. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre l'engagement? Le baptême. Vous pouvez rester là. Mais sont indiqués. Amen. Et c'est une bonne décision. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est à deux personnes qui veulent s'ajouter. Alléluia. Alléluia. Encore tout à l'heure. Nous serons dans la zone du baptême. Pour pouvoir aller vous asseoir. Encore transi. Acclamons le Seigneur. La réunion tient à sa fin. Quand nous allons finir, vous allez commencer à arranger les affaires. Et selon le programme. Parce que demain c'est un jour de classe. Et les enfants doivent reprendre leur classe. Encore normalement.